Lazare est un véhicule serbe conçu pour une utilisation dans le rôle de patrouille et de transport anti-infanterie urbaine et rurale. Plus connu sous le nom de BVT 8808SR et qui est destiné à empêcher l'exposition même des unités d'infanterie de base au feu ennemi, ainsi qu'à soutenir des véhicules plus lourds dans des situations de convoi. Le châssis est une simple refonte du camion TAM 150 qui a évolué pour inclure une coque complètement modifiée en configuration 4x4 et 8x8, avec un ajout de blindage et des dizaines d'améliorations structurelles. Une attention particulière a été accordée à un taux d'accélération élevé, la stabilité en raison du centre de gravité élevé, la robustesse et la fiabilité dans de nombreux types d'environnements, dans le feu, la neige, la glace, la pluie ou la boue, etc. Pendant les essais, le véhicule a excellé dans tous les paramètres, à l'exception de l'exigence de poids, qui a été dépassée, et le chargement de l'armement, bien que le rapport ait noté que le poids supplémentaire ne dégrade pas la fonction du véhicule. Ce blindé a une coque en acier standard dans la configuration de base pouvant être mis à niveau avec des plaques de blindage réactif pour la protection contre les attaques urbaines à courte portée avec des armes RPG, ainsi que des cages et d'autres moyens de protection contre les tirs violents. En outre, la coque spécialement formatée à la disposition des sièges internes offre une protection maximale contre les dispositifs IED, les mines anti-chars et autres engins explosifs au sol. La coque en forme de V à la construction spéciale du train d'entraînement offre une excellente mobilité dans les fosses, debout, sur les tranchées profondes, des surfaces glacées glissantes, ainsi que des pentes inférieures à 50 degrés. Chaque roue et pneu a une pression contrôlée centralement et est créée de manière à être utile même si les pneus sont complètement détruits. Le mécanisme de verrouillage rapide permet un remplacement rapide. Le moteur de 440 chevaux offre une bonne accélération mais une faible vitesse sur un terrain accidenté. Une transmission mécanique standardisée permet un contrôle direct. La direction et la suspension sont principalement hydrauliques. Les freins sont pneumatiques à double circuit. Et on a un interrupteur ABS marche-arrêt dans la cabine. La portée de 600 km et la vitesse maximale est de 90 km par heure. La configuration des roues est indépendante et permet de passer à 1,5 m de profondeur. Ce qui ressort du Lazare est le système latéral ouvert qui permet aux troupes à l'intérieur d'utiliser leurs propres armes personnelles, lanceurs de grenades de 40 mm, fusils d'assaut, etc. pour engager l'ennemi à aider à localiser les menaces dans une zone à 360 degrés. Bien sûr, en plus de ce système à concept ouvert, il existe une variété de tourelles, coupoles et autres systèmes d'armes en fonction du budget et de l'application du véhicule. Les équipements possibles sont une mitrailleuse de 7,62 mm ou 12,7 mm, un lance-grenade de 30 mm BGA-30, un canon de 20 ou 30 mm couplé à un auxiliaire de 7,62 mm ou deux lance-missiles AT. Toutes les versions sont équipées de 4 lance-fumées optiques. Il y a un espace interne qui permet d'être utilisé pour le transport des systèmes de défense aérienne portables, denrées et des munitions.